Téléspectateurs Le 360, nous avons l'honneur de recevoir Monsieur le Président de la République de Guinée. La première question, Monsieur le Président, les relations politiques entre le Maroc et la Guinée sont excellentes, mais le niveau de la coopération est en deçà. Comment voyez-vous les moyens pour redynamiser ces relations? Bon, je pense que cela est dû un peu à l'évolution de la situation en Guinée. Vous savez que la Guinée n'avait pas encore obtenu le PPTE. Lorsque je suis arrivé, donc on a ce qui limitait nos possibilités d'échange. Heureusement, nous avons tenu le PPT malgré qu'il y ait l'Ebola, mais avec la volonté affirmée de Sa Majesté Roi Mohamed VI et nous, je pense que les relations entre le Maroc et la Guinée vont aller très vite, surtout que maintenant que nous avons fini notre premier programme avec le Fonds monétaire, nous avons maintenant un programme beaucoup plus souple. Donc dans les années à venir, je pense que le Maroc sera, la Guinée peut-être, ne sera peut-être pas le premier encore, mais le deuxième partenaire du Maroc en Afrique de l'Ouest, il prétend dire. Monsieur le Président, le Maroc a joint la famille africaine. Est-ce que vous avez, est-ce que ce retour a dynamisé les activités de l'Union africaine? D'abord, le Maroc était membre fondateur de l'EUA. Et nous savons le rôle que Sa Majesté Mohamed V a joué. Le Maroc aujourd'hui, comme je l'ai dit, n'a rien envié au point de vue du développement économique à l'Europe. Donc le retour du Maroc dans l'Union africaine, non seulement va renforcer l'Union africaine sur le plan diplomatique, mais va aussi impulser davantage l'intégration économique, parce que le Maroc peut apporter beaucoup à l'Union africaine. Quelle vision avez-vous, Monsieur le Président, sur les relations entre l'Union africaine et l'Union européenne? Et il faut que l'Union européenne accepte de tourner la page ancienne et que désormais on ait une coopération d'égal à égal, coopération bénéfique pour à la fois l'Union africaine et l'Union européenne. Donc nous devons avoir une coopération entre deux continents majeurs, entre des États majeurs et souverains. Que l'Afrique est plus riche que l'Europe, que si nous avons une monnaie unique, ce n'est pas nous qui allons émigrer vers l'Europe, que c'est l'Europe qui va émigrer vers l'Afrique.